Yayo l'ami, c'est Dr. Drew, nouvel épisode Atalako 24 avec Laou Konaté. Laou Konaté, le joueur de Metropolitans 92 et de l'équipe de France. Là aujourd'hui là, c'est un gros épisode mon gars. Là je suis très chaud. T'es prêt ou pas? Allez c'est parti. I want to know who motherfucking representing it here tonight. Hold on, hold on. Bam. Bam. Voilà, bien joué. Explain myself. Bam. Wow. Ça fait un. Voilà. Ils jump tous. Bam. Bam. Oh. Oui. En place, il descend. Shorty and she doesn't want no slow song. Yeah. Had a man last year, life goes on. Haven't let a thing loose, girl, in so long. Yeah. You been inside, know you like to lay low. I've been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. Put your phone out, gotta hit them angles. Put your phone out, snapping like you fable. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life, yeah. Ouais. Facile pour toi. Ça c'est breakfast, breakfast time. One. Two. On va à 5. Three. C'est bien mon gros. Cadeau. Last one. Allez. Avec Laou Konaté. Salut Laou. Bah, tu vas, comment tu vas? La forme. Merci beaucoup. Tu nous reçois. Là, je suis bien accueilli. Je suis chez moi, mais en même temps chez toi, parce que c'est tout nouveau chez toi. Ça fait combien de temps que tu es ici? Là, ça fait 3 ans, là. Ouais. Ma 3e saison ici. Ça fait 3 ans? Et toi? Moi. T'as grandi ici, on m'a dit. J'ai grandi ici, 12 ans, 13 ans même. Ah ouais. Et à chaque fois on me parle de toi, on me dit que t'es un gars très bien, respectueux, toujours là, toujours, et j'adore ça. Ah, merci, ça fait plaisir. Ouais. En tout cas, je suis très content de te recevoir aujourd'hui à la maison, comme on dit. Merci. Tu pars de la N3. C'est ça. Ouais. J'ai joué N3 pendant une saison. Ouais. J'ai doublé, je faisais N3 et Pro B. Et c'était une année de folie parce que à cet âge-là, tu as besoin de jouer. Et le coach m'a fait confiance directement dès la pré-saison. Il m'a fait comprendre qu'en fait, tu es 10e sur le papier, mais tu peux être dans le 5 majeur très très vite si tu taffes. Tu as fait confiance directement. Il m'a fait confiance. Et en fait, je suis arrivé avec les crocs, la détermination de réussir. Et en fait, j'ai doublé. Je m'entraînais, je jouais avec l'National 3 et je jouais aussi avec les pros. Donc, et c'est surtout aussi avec la détermination que tu avais peut-être, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et après, ouais, ça m'a beaucoup aidé de beaucoup jouer aussi en N3. Okay. D'être libre, de jouer 40 minutes le samedi, ouais, de jouer 20 à 25 minutes avec la Pro B le vendredi. Non, ça m'a forgé. Et c'est vrai que c'est une année que je retiens et qui m'a beaucoup aidé. Okay. Là, je vais te montrer une petite vidéo. Ok. Que j'ai fait hier. Mm-hmm. C'est un de tes gars, je te laisse juste regarder. Hey yo là-haut, je sais pas si tu te rappelles, c'était l'année 2002 quand j'avais la A2 et on avait simulé une petite story et tout où tu étais petit et puis on imaginait comme quoi tu allais être reçu par l'INSEP, tu devenais basketteur professionnel. On avait monté tout un scénario avec les Incou, tout ça, du quartier et puis finalement ça a payé. Je te laisse raconter ça. Big up. Ça parle de ton parcours, ça parle de... Ouais, c'est... en fait, Manu, il avait fait un album. Ouais. C'était prolifique, le nom de son album. Et dans cet album-là, il avait fait un court-métrage
court métrage, bah, ça me mettait un peu en scène un petit jeune qui est de banlieue qui rêve de percer, d'aller à l'INSEP, parce que l'INSEP c'était vraiment. C'est le rêve de tous les jeunes. Jeunes. Ouais. C'était vraiment la grande école. Si tu allais à l'INSEP, tu savais que forcément tu allais forcément finir pro. Ouais. Donc, non, voilà, et ça, on avait fait un court métrage au quartier où je recevais une lettre avec la famille, etc. Okay. On me voyait m'entraîner dur. Et en fait, j'avais un choix entre réussir dans le monde du sport ou réussir dans le monde de la rue. Okay. Et en fait, les grands du quartier voulaient me tirer vers eux, c'est-à-dire de me pousser vers l'argent facile. Okay. C'était un choix très compliqué. Et finalement, j'ai opté pour le choix du basket. Je me suis fait casser la gueule. Ouais. Et en gros, voilà, c'était un peu ça. C'était les choix du quartier, parfois, qui sont, qui sont mis en scène et qui sont parfois une réalité très, très compliquée à vivre. Et c'est pour ça qu'il a voulu mettre en avant le sportif et la vie de quartier en même temps. C'était une très bonne expérience. C'est ça. Ouais. Pour toi, l'entourage, c'est important, c'est ça? Ouais, super important. Bien sûr, c'est la clé. C'est la clé, l'entourage, dans tout, que ce soit professionnellement ou dans ta vie de tous les jours. Si tu as un entourage qui te tire vers le bas, forcément, bah, tu vas voir que le négatif. Alors que si tu as un entourage qui te pousse, qui t'encourage, qui est là pour toi dans les moments durs et dans les bons moments, forcément, ça va t'aider à franchir beaucoup d'étapes dans ta vie. Là, je parlais un peu, on va dire, de ta famille, tu vois. Mm-hmm. Par exemple, toi, tu as eu ton frère qui a joué au basket et qui t'a mis dedans. Moi, je sais que moi, de mon expérience personnelle, je sais que moi, ma famille, ils m'ont plus dirigé vers l'école. Ils m'ont dit, voilà, bon, c'est bien le basket, c'est un sport, mais nous, on veut la sûreté, on veut l'école. Mm-hmm. Et il y a plein de jeunes, on va dire, dans cette situation-là, qui ne savent pas quoi faire par rapport au basket, par rapport à l'école. Et toi, tu nous conseilles quoi par rapport à ça? C'est la bienveillance, tu vois. Faut être bienveillant, il faut être sur ses gardes. On sait très bien que le sport c'est beau, c'est cool. On voit tous des Mbappé, etc. etc. Ouais. Mais les projets comme ça arrive toutes les décennies. Donc les parents, ce qu'ils veulent, c'est le bien pour leurs enfants. Donc c'est tout à fait normal de que l'école prime avant le sport. Pour moi, c'est primordial. Ma mère aussi me mettait la pression. Je savais que voilà, si j'avais le bac, ça allait la tranquilliser un peu, c'est tu ça, vois. Ouais. Donc non, c'est super important de d'être focus sur l'école, mais aussi être focus sur son objectif personnel du sport. Déjà, est-ce que tu as eu des critiques dans le basket? T'as toujours des gens qui vont critiquer. Ouais. Et tu le prends comment, ça? Faut bien le prendre. Au début, c'était chaud ou... Même pas. Franchement, j'ai jamais... non, parce que même quand j'étais jeune, au début, on me critiquait. Mmh. Donc, t'avais des coachs qui pouvaient te critiquer, qui pensaient qu'un autre était meilleur que toi. Ouais. Et en fait, au final... ces critiques-là, parfois, elles sont bonnes à prendre, tu vois. Ouais. Parce que parfois, c'est des critiques, mais elles sont valorisantes, t'aides à progresser, à te rendre compte, à te remettre en question, etc., tu vois. Donc non, je pense que toute critique est bonne à prendre. Après, ça dépend quelle critique. Après, il y a des critiques qui sont là, qui vont au-delà de l'acceptable, tu vois. Il y a des critiques qui sont là, c'est des insultes, etc. Donc non, ça, je j'accepte pas, tu vois. Ouais. Il y a des critiques, non, il faut faire avec. Parfois, ça rentre là, ça sort là-bas. Ça sort, tu vois. Ouais, je vois. C'est ce que je veux dire. En fait, faut prendre le bon et il faut laisser le mauvais. En fait, quand tu vois que quelqu'un te critique pour ton bien, là, c'est tout bénef pour toi. Tu vois. Tu sais qu'en gros, il te parle, c'est pour ton bien. Il y a des critiques. Il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose. Tu sais très bien qu'en fait, au final, il dit ça juste pour te critiquer. Ouais, pour te piquer un peu. Pour te piquer, pour te salir. Tu vois. Ouais, je vois. Ça, faut abstraction. Ah, je sais que tu as des potes proches qui pourront te dire la vérité. Non, bien sûr. Bah, il faut de toute façon. Ton entourage est là pour ça aussi, te féliciter, mais te dire quand ça va pas ou quand il y a des choses qui sont à revoir, tu vois. Ouais. Non, les critiques, pour moi c'est bénéfique. Il faut que les gens se critiquent plus parfois. C'est clair. Et là, auprès de ta carrière, c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté? T'as fait les équipes de France. Ouais, je dirais l'équipe de France parce qu'au final, c'est un parcours de quand j'y repense comme ça, sans prétention aucune. Mais c'est vraiment un truc de fou en fait. Un gamin me disait, au début, tu pensais arriver là? Non, même de pas. France, même pas. C'était même pas forcément un objectif. C'est au bout d'un moment, quand j'étais proche du truc et que ça arrivait dans mon oreille, que je me suis dit, là, ça va être un objectif cette année-là. Ouais. Mais à la base, même quand j'étais jeune, on me disait même pas que j'allais finir pro, tu vois. On me disait, oh non, là-haut,
Genre une 3, une 2. Manu me disait qu'il était tout maigre. Ouais, j'étais tout fin, j'étais tout petit. Ouais. J'avais du talent, mais je suis passé sous les radars. Le pôle, les centres de formation, j'allais faire des tests. Un jour, j'étais venu ici à Levallois, il y avait plusieurs équipes qui venaient faire des détections. Après, il y avait Vichy, il y avait Nanterre, il y avait plusieurs équipes. J'étais venu, tout le monde disait, oh, il est talentueux, mais pas assez physique, pas assez saut. L'année d'après, j'ai grandi, boum, d'un coup. Et je commençais à dire, oh, c'est qui lui? Tu vois? Au final, les gens, parfois, te prédisent un avenir qui n'est pas le tien, tu vois. Ouais. Donc, il faut rester confiant. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé surtout, beaucoup travaillé. J'ai toujours cru en moi. Beaucoup travaillé, il a dit, hein. Beaucoup travaillé. Ouais, le travail, c'est la clé de la réussite. De toute façon, on n'a rien sans rien, tu vois. Après, il y a des gens, ils sont talentueux, c'est inné. Ouais. On n'a pas tous ce talent-là, tu vois. Ok. Et là, cette saison aujourd'hui à Boulogne-le-Valois, ça se passe comment? Très très bien, très bonne saison. On est sous les feux des projecteurs, donc que dire? Ouais. Non, on fait une très très bonne saison. Pour l'instant, on est encore deuxième du championnat. On a Victor avec nous. On a Bilal Koulibaly aujourd'hui qui aussi pointe le petit bout de son nez, tu vois. C'est ça. Donc c'est plutôt cool. C'est une saison qui est plutôt bonne. Et toi, en tant que leader, en tant que capitaine, quand tu vois des petits jeunes comme ça? Ouais, ça me fait kiffer. Ouais. Moi, je suis super content quand je vois ça, tu vois. Victor, je l'ai connu quand il était à Nanterre. Je lui disais tout le temps, quand je te vois, je suis content. Parce que c'est quelque chose qu'on verra pas de sitôt, tu vois. C'est vrai, c'est... Je le voyais déjà, il était super à l'aise. Ouais. Il avait quel âge? Il était surclassé avec les... Benjamin, il était surclassé avec les minimes ou cadets, je sais plus. Il était facile, grand comme ça. Et tête sur les épaules. Aujourd'hui, tu vois un Bilal, pareil, tête sur les épaules, travail, et saisir les opportunités qu'il a. Non, ça fait super plaisir. C'est des modèles pour la jeunesse de demain. Parce que voilà, on le sait aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Tout le monde, les jeunes d'aujourd'hui, tout le monde veut être pro. Ouais, tout le monde regarde, tout le monde pense que être pro, c'est facile, devenir Victor, c'est facile, ou un autre, ou un Evan Fournier, alors que non. C'est du travail. Victor, il a beau être incroyable, mais c'est un gros travailleur. Ouais. Sans son travail, il serait pas là actuellement. Il n'aurait pas fait la saison qu'il est en train de faire actuellement. Donc non, c'est une bonne chose cette saison. On espère qu'on va bien finir la saison, bien entamer les playoffs. Et après là, on pourra dire que cette saison, elle a été incroyable. En face de toi, tu as un jeune qui rêve de NBA, comme tous. D'après ton parcours, qu'est-ce que tu lui conseillerais? De un, c'est d'avoir confiance en soi. Okay. Confiance en soi, parce que c'est très important pour pouvoir réussir au haut niveau. D'avoir des objectifs très importants, que ce soit court, moyen terme, à long terme. D'avoir vraiment des objectifs à atteindre. D'être patient, parce que c'est ce qui fait que aujourd'hui beaucoup de grands joueurs ont la carrière qu'ils ont, tu vois. Ils ont été patients, ils ont travaillé dur. La patience. Ouais, c'est ça, la patience, c'est la clé. Et voilà, beaucoup de travail. Beaucoup de travail et vraiment croire en soi, d'être motivé au jour le jour. Parce que voilà, parfois on aura des mauvais jours et il va falloir s'accrocher et avoir cette mentalité de ne rien lâcher. Donc voilà, faut surtout rien lâcher, d'écouter les bonnes personnes, de bien s'entourer, de faire attention aussi à son hygiène de vie, très très important aussi, pour pouvoir avoir une longévité plus qu'importante. Et voilà, après c'est ça, hein. Pour moi c'est ça les clés, hein. Les 5 clés, je pense que j'ai dit à peu près. Ok, ça marche. Merci Lao Konaté, c'était Lao Konaté. Merci beaucoup Lao. Les gars, là c'est la fin de la vidéo. Je tenais juste à vous dire un petit truc. Là où Konaté, il a pas lâché les gars. Il est en N3 et il a grind. Il a passé les étapes, passé les paliers. Il a jamais abandonné. Et c'est cette mentalité qui est forte. Donc mon gars, lâche rien. C'est pas fini. Même si t'es en N3, même si t'es en R2, hey, avoir cette mentalité là. Ok? Je te laisse sur cette fin de vidéo. J'espère que t'as kiffé la vidéo. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner. On se laisse sur ça. C'était Dr. Drew. Tuer pour tuer. Bis bis. Step back.